Coucou les filles, on se retrouve pour un tuto page d'art journal avec mon partenariat de Coco Rosa Studio que j'ai reçu en début de semaine. Fallait que je choisisse des dies de découpe sur Halloween. Alors, je vais utiliser donc les dies, le papier de chez Action. Non, ça c'est du papier dessin que je collerai comme d'habitude sur mon blog de chez Action. Il me reste une ou deux pages. Je vais utiliser certainement ce pochoir écriture. J'avais envie d'utiliser ces lettres-là. Au niveau de l'encre, l'encre noire, l'encre orange, la violette. Et pour le tamponnage, la Versafine noire. Alors, donc, je vais utiliser ce die de découpe. C'est une grosse bougie. Voilà, une grosse bougie. Ensuite, j'ai déjà fait des découpes hein, dans du papier dessin et du papier noir fin pour la bougie. Les chauves-souris. Voici le dice. Je vous présenterai mieux tout à l'heure. Enfin, dans une autre vidéo. Donc voici les chauves-souris. Un arbre. Aussi. Les sorcières, voilà, il y a cinq sorcières. Voici le die de découpe. Donc pour Coco Rosa Studio, avec le code Nadia en majuscule, NADIA et le chiffre 25, vous avez le droit à 25% de réduction sur votre commande. Désolée, ça sonnait à l'interphone parce que mon fils et sa copine ont récupéré une pie adulte qui est certainement blessée. Elle vole très très mal. Et comme dans le quartier il y a beaucoup de chats, ils l'ont récupérée et mise dans la volière qui servait à Zazou, qui a disparu depuis plus d'un an. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, on ne sait pas si elle a été mangée, on ne sait rien. Donc, alors, je ne sais plus où j'en étais. Oui, je voulais vous dire que pour les partenariats de Coco Rosa, en fait, il faut présenter les articles que l'on a reçus avec la création. Donc, on est obligé de faire les créations avant et présenter les articles après avec la création qu'on a faite. Et donc, cette vidéo-là est faite aujourd'hui, samedi 7 septembre, et je vous la présenterai. Après, je vous la programmerai après la vidéo de la présentation du matériel. J'espère que je suis claire. Donc, allez, c'est parti. Je vais faire le fond. Donc, le fond, je vais le faire en orange, violet et noir. Donc, je vais commencer par le orange.
maintenant du violet. Et le noir. Ensuite, je vais faire du pochoir. Alors, je ne sais pas si je devrais pas... non, je vais le mettre en dernier. D'abord, je vais peut-être voir comment disposer mes affaires. Alors, ce que je voulais faire, je voulais mettre l'arbre. Alors, plus en hauteur. La bougie, je collerai ça au dos. C'est les sorcières que je vais mettre. Alors, l'arbre, allez. Les sorcières, la bougie. Et je vais mettre des chauves-souris. Trop grosse. Alors, je vais découper le papier noir pour les yeux et la bouche de la bougie. Alors, je ne mets pas les sorcières.
En fait, ce que je voulais faire, ça ne va pas. Bon, en premier, je vais coller le papier noir. En fait, ce qui va pas, c'est l'arbre qui est noir avec les sorcières mises comme ça. Bon, je coupe, je vous retrouve après, une fois que j'aurai trouvé la disposition. Bon, voilà, je sais comment je vais faire. Hors caméra, j'ai mis du stylo gel orange pailleté sur les découpes. Par contre, j'ai pas trouvé le nez. Le nez, je l'ai perdu. On verra après. Donc ça sèche, c'est là, ça sèche. Là, ce que je vais faire, je vais mettre du scotch de masquage sur le tour. Moi, je ne sais pas le temps que vous avez, mais alors nous, c'est la catastrophe. Il pleut tous les jours. Donc voilà. Alors, je vais mettre plus de noir. En fait, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais mettre je voulais avec de la brume d'eau mettre du noir là. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc avec, je vais prendre
cette encre-là, la ink. Ah oui, j'en ai plein les doigts, forcément, il y a des trous dans mon petit sachet. Ça, c'est fait. Alors, toujours avec la ink. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le tampon. Alors, j'ai dit celui-là. Alors, c'est celui-là. Donc avec la VersaFine, c'est dans ce sens-là, oui. Si ça se trouve, on ne le verra pas. Avec les sorcières, on ne le verra peut-être pas. Je vais refaire le... On va mettre du orange. Du violet.
Voilà. Alors maintenant, je vais enlever le scotch de masquage. Bravo. Il arrache tout. Voilà. Donc ça donne ça. Ensuite, je vais coller les chauves-souris. Non, mon arbre, il est là. Je vais coller comme ça. Les sorcières, je vais les découper. Là, c'est son pied, donc là. Ce que je vais faire, je vais mettre deux sorcières là et les autres là. Donc, je vais pouvoir décaler l'arbre. Pour qu'on puisse voir les sorcières. Alors, ce que je vais faire, je vais couper la branche qui est là. Voilà. Alors, je mets les sorcières en premier. Alors, je vais mettre l'arbre. Ça, comme ça. Oui. Il y a des éclairs.
m'étonne. Pas peur, Daisy. Maintenant, je vais coller les autres sorcières. Alors, ce n'est pas fini. Les chauves-souris. Là aussi, j'en ai deux autres. Là. Ensuite, je vais coller la bouche de l'arbre. Les yeux. Notre œil. Et comme j'ai perdu le nez, donc je vais prendre mon stylo gel. Et je vais le faire. On va faire les petits yeux aux chauves-souris. Oh,
Oh, j'espère que vous ne voyez pas mes cheveux. Le chat, pareil. Avec le stylo gel doré, je vais faire des petits points, comme si c'était des étoiles. Là, il manque quelque chose, mais je ne sais pas. Ah, la branche là. Bon, ce que je vais faire, je vais aller voir dans mes autres dies pour voir ce que je peux rajouter en bas. Je vous reprends aussitôt après. Donc j'ai rien. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris un crayon feutre noir et puis j'ai mis de la couleur. Donc voilà ma page pour Halloween avec le matériel de chez Coco Rosa Studio. Donc j'ai utilisé les chauves-souris, l'arbre et les sorcières. Donc je vous dis à bientôt. Bye bye.